Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je veux bien. Alors, on se retrouve dans une vidéo motivation, ménage, une maison propre, une maison organisée. Donc, du coup, j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Je vais juste faire ma chambre, juste question de vous motiver. Donc, question de changer les draps, passer l'aspirateur, enlever la poussière partout. Et voilà. Et aussi, je vais juste aller nettoyer la chambre et les corridors de ma maison. Et ensuite, je vais vous partager la recette de gâteau marbré. Vraiment très, très simple. Donc, du coup, je vous laisse regarder. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here? Don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this. Alors maintenant que je finis de faire mon lit, ici au Canada, il commence déjà à faire très très froid. Je ne sais pas là où vous êtes, il fait encore beau, mais chez nous, franchement, il fait très froid. Donc, après avoir fait mon lit, donc du coup, je vais juste enlever tout ce qui est poussière sur le commode et tout.
et ensuite on va aller passer l'aspirateur. Donc du coup je vais aller utiliser mon produit de la marque Meto de tout usage que j'aime beaucoup. C'est pratiquement même fini, mais franchement j'aime beaucoup. Ce n'est pas du tout toxique, donc raison pour laquelle j'apprécie beaucoup. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me, take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much. Alors là du coup, maintenant que je finis, ma chambre est toute propre, donc du coup je vais commencer avec le vêtement de mes enfants que j'avais lavé. J'avais juste un panier, franchement je n'accumule pas le vêtement, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve que s'il y a beaucoup de vêtements sales à la maison a tendance à être étouffée. Donc pour moi vraiment le vêtement, je le fais le plus possible et plier et remettre en ordre. Donc l'une de mes faiblesses c'est le repassage, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je pense que nous tous nous avons quelque chose à la maison qu'on n'aime pas faire, hein? Je ne suis pas la seule. Donc tout ce que moi je fais, je plie, je range et voilà, j'organise. Et si mon mari a le temps, il repasse, mais avant que mes enfants s'habillent, on repasse toujours. Mais sauf que je n'ai pas vraiment la force de m'asseoir, de prendre des vêtements et commencer à repasser. Donc si ce n'est pas mon mari, moi je le fais quand il va s'habiller, je repasse. Donc voilà, ça c'est moi. Mais j'aime quand même voir le vêtement organisé, et voilà. Donc c'est ça, ça c'est ma petite histoire. Alors là voilà, je suis dans leur chambre, je veux juste aller ranger les vêtements que je viens de plier. Donc voilà, je le fais automatiquement parce que si je laisse dans le bassin, ça va encore traîner là-bas pour 3 ou 4 jours. Donc franchement, je fais un effort vraiment d'être organisé, faire les choses immédiatement. Franchement, c'est par expérience et je sais quand tu laisses et ça peut rester là pendant une ou deux semaines. Donc du coup, vraiment, je fais toujours un effort dès que je fais mes courses, dès que je lave le vêtement. Donc je fais un effort de remettre en ordre tout de suite. Donc voilà, là on va finir avec le rangement des vêtements et ensuite on va
juste aller faire le lit et puis passer l'aspirateur aussi dans la chambre de mes petits garçons. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Begging on my knees just to show ya. You're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me. Your love. Your love, your love, your love. Your love, your love, your love. Your love, your love, your love. Put your love on me. Your love, your love, your love, your love. Your love, your love, your love. Put your love on me. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love. Voilà, là on a fini avec notre ménage, donc du coup ma chambre est très très propre, même la chambre des enfants, donc on va faire juste un petit tour et ensuite on va aller préparer notre gâteau marbré. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here? Stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever?
watch you as you sleep. You don't know I'm looking. Alors là, voilà, on va commencer avec notre gâteau. Donc là, je vais mettre 120 g de sucre et 200 g de beurre. Donc le beurre à la température ambiante, très très important. Même les œufs, très important. Et ensuite, je vais juste aller fouetter. Donc juste pour m'assurer que tout est bien mélangé. Donc je vais fouetter tout doucement pour un maximum de 2 à 3 minutes. Alors maintenant que je suis satisfaite, je vais rajouter 4 œufs toujours à la température ambiante et ensuite je vais encore aller fouetter juste pour m'assurer que c'est bien mélangé. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Et voilà, je vais rajouter quelques gouttes de sucre vanille. Et ensuite, on va rajouter un peu de sel, juste un petit peu. Et ensuite, on va rajouter l'huile végétale, juste un peu. Et on mélange encore une fois. Et là, du coup, on va utiliser la farine tout usage. Donc, on va utiliser une tasse et demie de farine. Et ensuite, on va rajouter le poudre à pâte, donc la levure chimique. Voilà. Donc, voilà, je vais juste aller tamiser. Voilà. Et après avoir tamisé, on va encore aller mixer. Voilà. Cette fois-ci, on va d'abord mixer avec la cuillère. Et ensuite, on va aller mixer avec la machine. Une recette vraiment très, très simple. And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? Alors là, je vais diviser la pâte en deux, donc tout simplement parce que c'est un gâteau marbré. Donc je vais diviser en deux, l'autre je vais mettre le chocolat. Il y a un nom pour ces chocolats mais j'ai oublié, donc c'est en poudre en fait. Donc là, c'est que je vais laisser dans le saladier. Je vais juste aller rajouter la poudre de chocolat. Il y a un nom pour ça mais j'ai oublié, je suis désolée. Et là voilà, je vais d'abord commencer par la pâte normale. Voilà, donc je vais mettre le layers. Donc voilà, donc et ensuite je vais mettre le chocolat. Donc c'est comme ça que je vais le faire. Mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé de le faire parfait. Ça va prendre la forme dans le four, ok? Donc voilà, donc on met la pâte normale, on rajoute la pâte de chocolat. Donc jusqu'à ce que toute la pâte va finir, ok? Donc là, j'ai déjà préchauffé mon four à 350 degrés. Donc voilà, donc je vais laisser dans le four pour un maximum de 45 minutes et notre gâteau sera prêt. Vous allez voir, vraiment très simple et vraiment facile à réaliser. Voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Là voilà, c'est déjà prêt.
Regardez, ouf, yummy, yummy. Donc, comme je vous ai dit, donc, ne vous en faites pas pour la forme, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Au lieu d'aller acheter, on peut le faire à la maison. Vous avez vu, c'est facile. Alors, notre recette de gâteau est finie. Donc, du coup, je vais juste couper. Comme ça, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Alors là voilà, donc normalement il faut laisser le gâteau refroidir, sinon ça va commencer comment? Comme vous voyez là, ça a commencé à craquer. Donc du coup, comme je voulais finir la vidéo, donc je devrais couper et vous montrer le rendu. Et franchement, c'est très bon. Alors je tiens à vous dire merci d'avoir suivi. Je fais des gros bisous et je vous retrouve très très prochainement. Et laissez vos pouces, vos likes, ça me fera plaisir. Bye!